de, notamment dû au fait que Romy peut sélectionner son minage quand il est sur Holo Bastion. Ok, Steve, en fait, Steve, tu sais, il peut miner. Ouais. Et sur Holo Bastion, en fait, t'as trois zones où il peut miner différents trucs. Ah oui, en fonction de la zone où il est. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est à l'extrémité, au centre, milieu, on va dire, enfin voilà, et après le rond au centre. Ouais. T'as trois zones où tu peux. Où tu peux choisir à peu près ce que tu veux. Et du coup, Romy, c'est pour ça qu'il garde Forteresse oubliée, parce que ça reste un bon pic. Mais mesdames et messieurs, on n'est pas du tout parti pour le Bastion, du coup, mesdames et messieurs, on est plutôt parti sur un gros PlayStation 2. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, la map préférée des Français, hein, s'il en est. Parce que du coup, à 27%, on va pouvoir commencer à mettre la petite bagatelle de quelques pourcentages, voilà. Ça va camper un peu de côté, hein. C'est un chose que ça va rester tranquille. Hein. Et évidemment, on essaie de garder la distance face à ce Steve qui a besoin de s'approcher de nous. Hein. Là, je pense que ça va pas être un match-up super marrant à faire pour Romy. Parce que le problème, c'est que Steve, ça doit approcher. Mmh. Alors certes, ça peut miner, ça peut un peu faire sa maison, etc. Mais à un moment... Faut y aller. Hein. C'est ça, exactement. À un moment, faut y aller, faut mettre les dégâts. Et là, attention, peut-être qu'il a compris. Que les dégâts, ils sont en train d'être mis. 47%. Ah, ça m'esquive vraiment mettre de la distance pour le coup. Ouais. Et pas le laisser miner en attendant, c'est un dilemme. Qui a Beat of Shield, évidemment. Pour contrer ses uptilt, ses coups de hache. Backthrow qui envoie très très loin. Pas encore suffisant pour tuer, mais quand même, met une sacrée pression. On prend son temps hein, du côté de Benji. Hein. Petit shot qui va mettre les 128%. Et là, ça va être le moment où il va falloir aller récupérer. C'est le moment où il va falloir récupérer la stock le plus vite possible. Parce que là, 137%, ça commence à grimper. Du côté de ce Steve, il s'agirait de tuer maintenant. Parce que là, mine de rien, il commence à resserrer un petit peu l'écart. 83% d'infligé. Est-ce que le forwarder va avoir raison? Pas encore. Et là, j'ai bien peur que ce soit peut-être sur cette interaction. Les petites bombes et le laser. Bien vu ça, voilà, c'est très bien sûr. Très 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 bien vu ça. Joue efficace au ledge. Hein. Ah bah, Samus. Samus au ledge, c'est pas très drôle à subir. Les options sont limitées. Hein. C'est pas les bons choix. Ouais, c'est pas très très drôle à jouer. Enfin, à affronter Samus au ledge. On va remonter tranquillement, 113% d'infligé sur cette Samus, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire hein, pour la tuer, parce que mine de rien, on met des petits coups d'épée, hop là, ça y est, pas mal de choses à faire, ça y est, les choses sont faites. Les interactions ont été trouvées. La toute petite interaction, évidemment, tu fais deux blocs séparés pour pouvoir placer un minecart entre les deux. Évidemment les coups en or, les matériaux en or qui font beaucoup plus, qui tapent beaucoup plus vite. Qui font un tout petit peu moins de dégâts, mais je dis moins de dégâts, mais en vrai, ça fait toujours aussi mal. T'as vraiment pas te les prendre. Hein. Ouais. 79%. Benji peut confirmer. Aïe. 70% okay. En une phase. Et là on a plus de ressources hein, côté Romy. Ouais. On a plus de ressources. On a récupéré du diamant qu'on a crafté. Très bien. Ouais, on a encore du diamant pour la prochaine fois. Donc là, pour le coup, on est vraiment bien dans sa game hein, du côté de Romy. On a fabriqué les outils en diamant. Plus, on a encore récupéré dans les ressources. Ça veut dire que même si on meurt, même si du haut de ces 57%, on perd la stock, on aura toujours de quoi faire des dégâts. On aura toujours de quoi mettre la pression. Et encore une fois, le Leshrap qui est terrifiant. Et hop là, attends, il attend patiemment. Hein, t'as vu ouais. Juste une petite dance bash là pour les récupérer. Pour moi, on se presse pas du côté de Benji, mais. Fait les bons choix au bon moment. Ouais. Encore une fois, bien vu ça. C'est toujours. Voilà. Ça pardonne pas. Oh, y a bien vu. Allez, du coup, encore une fois, bah, comme prévu, hein. Là on est sur sa dernière stock. Voilà. Ça veut dire aucune raison de ne pas faire le diamant. Et en plus de ça, petit enclume qui va aller récupérer cette stock. Et du coup, on est bientôt parti pour mettre les dégâts. 19%. Attention quand même avec le minecart. Bien vu ça. Bien vu ce B qui a pas été. Qui s'est pas pris. C'est Romy qui fait gaffe. Oupla. On commence à prendre des dégâts, 30% mis en 3 coups seulement. C'est Bowser qui joue en fait finalement. C'est ça. C'est Bowser avec une épée. Et c'est Bowser avec une pioche. Une pioche. Qui a trouvé du diamant sur un filon. Hop là, on va continuer. Allez, Forwarder, malheureusement ça va pas pouvoir passer. Le minecart qui va totalement empêcher quoi que ce soit. Qui va empêcher toute tentative de faire quoi que ce soit. Par contre, on a plus de ressources. Ça veut dire plus de blocs. Ça veut dire plus de B. Plus de petites. Oh, attention, ça va mâcher. Il va pas avancer. Oh, bien vu ça. C'est bien parce qu'en plus il est pas monté en faisant drift in. Pour le coup, il a juste fait un saut très vertical. Le petit hub qui va permettre de remonter, de permettre de récupérer un petit peu des dégâts. Et là, on a plus de pioche en diamant. La pioche en diamant est complètement morte.
ça veut dire qu'il faut reconstruire de l'équipement pour qu'on puisse s'en servir. Et là, c'est pas les bonnes nouvelles hein, pour Romy, lui qui avait tout dans les mains. Lui qui avait tout son diamant, lui qui avait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, ça va peut-être se transformer en plomb toute cette histoire. Peut-être un Upsro qui va aller récupérer cette stock. Et c'est fini, mesdames et messieurs. Première game récupérée pour Benji. Pour le coup, vraiment un Benji qui a été très très patient. Ouais. Qui sait exactement quoi faire, à quel moment. Et pour le coup, qui connaît, qui a bien, je pense, après, bien appris le match-up. Hein. Ouais. C'est vraiment sur les phases de ledge trap qui est décisif. Hein. Clairement. S'il arrive à éviter ça, Romy, je pense qu'il va peut-être retourner la game. Oh, est-ce qu'il y a moyen que je baisse le son du casque? Tu peux faire ça. Tu utilises celui-là. Après, tu montes ou tu baisses. Incroyable. C'est parfait. Ah, mais attendez, j'ai pas lancé le match. Genre, si tu veux baisser le son du casque, si tu veux, regarde, tu prends ce petit curseur. Ouais. Et là, tu le descends ou tu le montes ou tu le descends. Enfin, c'est toi qui. Enfin, je te laisse faire parce que moi, j'entends pas la même chose que toi. Donc, Incroyable. Hop, comme ça tu te casses pas les oreilles. C'est incroyable. En tout cas, hop, 31, 36, évidemment, pioche en fer. Et il a récupéré le fer tout de suite. Hein. Il a récupéré le fer très vite. Et il a pas banni les Animal Crossing du coup. Ouais, donc ça veut dire beaucoup de bois. Ça veut dire beaucoup de bois qui vont être donnés dans ce match. Mais ce qui m'étonne, c'est que il a. Attends, mais du coup, c'est Romy qui a choisi la map. Et qui du coup il s'est dit bah ok je vais pas. Je me demande ce qu'il a ban. Il a du ban. Oh, ouais, j'ai pas vu les bans du coup. Ah, attendez, je vais essayer de me renseigner. Parce que je crois qu'ils ont dû les faire sur le. Ça a ban BFDF et et Small BF. Directement trouvé. Ok. Donc en fait il a banni les stages normaux. Pour partir sur Animal Crossing. Très curieux venant de. Parce que du coup ça lui fait moins de ressources pour faire du minecart. Ouais. Tu vois. C'est pour ça que je comprends pas en fait. Après pourquoi pas tu vois mais. En fait je lui demanderais parce que j'aimerais bien comprendre la stratégie derrière ça. En tout cas pour l'instant ça lui permet quand même de retrouver un petit peu d'or. Un petit peu de diamant aussi qu'il a réussi à crafter. Et par contre, faut faire attention parce que Benji, depuis tout à l'heure, il se prend pas mal d'enclumes. Ouais. Dont une qui lui a pris sa stock tout à l'heure. Et encore une fois, le minecart qui nous embête. Encore une fois, minecart tout le temps, quoi. C'est horrible. Petit charge shot, évidemment. On va pouvoir récupérer le contrôle de stage là-dessus. Père qui va pas pouvoir passer. Par contre, le charge shot qui va mettre énormément de dégâts. Cacher le pot, si je pas de bêtises. Hop là. Oh, dommage. Dommage. Il avait tout ce qu'il fallait. Pour faire des dégâts. Et là, il a plus d'outils. Et là, il a plus d'outils. Ouais, depuis un moment, il a plus d'outils, je crois. Ouais. C'est un moment qu'il a cassé. Il a tout cassé. De la recréer. Oh. C'est recréer directement. Ouais. Évidemment. Il fallait. Là, pour le coup, c'est obligatoire. Évidemment, web Battlefield. Ça, de toute façon, ça va être la réponse automatique hein, dans ce match-up. Je me tape avec une hache. Je te tape avec un gyroscope éclair qui va vers le haut. Un gyroscope éclair. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est vrai. C'est... Comment on l'appelle, je sais pas. Je sais pas, un hand spinner. Un spinner électrique. Ça va chercher des matériaux là. Oh, attention quand même. Vraiment le minecart, vraiment c'est la menace. Mais par contre, oh quoi, il a fait charge shot et ça a touché derrière. Et du coup, ça a cassé dans le shield. Enfin, ça c'était trop bizarre. 68%. Vraiment, ce que j'adore, c'est que Benji il est vraiment au courant de tout ce qui se passe. Hein. Ouais. Genre, il sait exactement quoi faire à quel moment. Forward air, attention, on est peut-être dans la. Oh, on va essayer de récupérer le ledge évidemment. Oh, Forward Smash évidemment. Ça va pas encore récupérer cette stock. Mais par contre, on est vraiment dans la mouise du côté de Romy. Avec ce Steam, malheureusement, qui n'aura pas trop son mot à dire, je pense. Dans cette interaction, Forward air qui va peut-être aller récupérer cette stock. 120%, est-ce que ça va être maintenant? On se fait pas avoir. On se fait pas avoir par la petite bombe qui aurait déclenché le charge shot encore une fois. Hop là, vraiment depuis tout à l'heure Benji il prend des risques incommensurables avec le B. Toujours pas de mort, toujours pas de stock de récupérer. Et on a full bois donc ça veut dire plus de. Bah de toute façon plus de stock pas encore. On a full bois donc ça veut dire pas de minecart, pas d'enclume. On a beaucoup d'options en moins du côté de Romy. Et peut-être une pioche en diamant qui va très certainement céder dans pas longtemps. Malgré le fait qu'on ait récupéré encore une fois du diamant. Et maintenant c'est enclume. C'est terrible, on avait tout. On avait tout du côté de Benji. Malheureusement on s'est fait un peu avoir à cause de cette enclume encore une fois. C'est marrant, tout à l'heure je disais que
Je disais que Benji il était au courant de ce qui se passait. En fait, pas du tout. Parce que du coup, il s'est pris l'enclume plein de fois en fait. Vraiment, l'enclume, il a dû se la prendre 4-5 fois d'affilée. Et à chaque fois, c'était des trucs genre vraiment qui te tuaient très facilement. Donc, hop. Effectivement. C'est reparti mesdames et messieurs. 1-1. Et Samy, directement. Binge. DC Binge contre Romy. Hey. Les classiques. 51% hein. D'infligé et 8% de Steve. Ça pour le coup. Ah c'est la bombe qui a déclenché l'interrupteur pour le TNT. Nouveau setup. Nouveau setup, si vous faites un duo Steve, ça peut se faire. Franchement, prenez-en de la graine les mains Steve. Ouais, ouh, dommage. Oh, ouais. Dommage, l'erreur qui a coûté si cher. Oh, ça a coûté si cher comme erreur, le fait de remonter sur le stage. Ouais. J'aurais pas pensé que la stock allait partir sur ça. Hein. Ouais, sur un vraiment. Attaque. Non, c'était quoi? C'était Char Shot into Backer. Into Backer, ouais. C'était Backer, c'était pas Dash Attack. Bah, Dash Attack, je suis pas sûr que ça aurait tué. Ouais. Mais pour le coup. C'est vraiment. C'est fou qu'il a réussi à convertir ça du lieu de. Ouais, vraiment, il a converti ça très très facilement pour le coup. Malheureusement pour Romy. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas terminé hein, parce qu'il y a quand même 92% ouais. D'infligé. Ça va très vite. Hein. Attention, il a pris. Oh, le smash. Smash, pardon. Il l'a pas beaucoup utilisé sur les derniers sets, mais là, il peut l'utiliser, c'est un très fort. S'il commence à la sortir. En fait, le smash, tu l'utilises quasiment que quand il y a le minecart. Tu attrapes ton adversaire sur le minecart et là, tu vois, là, il va le refaire. Exactement. Et là, ça va tuer. Non, ça va pas tuer parce que ça n'a pas assez de pourcentage. Il y a pas assez de pourcentage. Samus, c'est lourd et en plus de ça, il y a la bonne DI. Attention quand même, on va juste tout simplement arrêter sur minecart avec la missile plus le B qui va nous permettre de garder un petit peu le contrôle du stade là-dessus. Attention quand même avec ce spike, la pioche qui est très très bien posée. On essaie de remonter sur le champ de bataille tranquillement. La reprise de contrôle du stage est très très difficile quand tu es face à Steve qui tout simplement, depuis tout à l'heure, mine comme un seul homme. C'est très très compliqué là. On a récupéré le diamant encore une fois. Dash attack cette fois. Dash attack ça tue pas pour l'instant, mais ça te met quand même dans un sacré beau drap. Encore une fois, Char Shot. Ok. On la cherche, hein. Char Shot, Dash Attack, c'est le combo qu'on cherche pour le moment. Ouais. Le Battle Shield. Oups là. Ouais, là, cette fois, le Battle Shield était peut-être. Je pense que voilà, Romy ici attendait quand même. Là, il a bien spacé son petit up tilt, pardon. Coup de hache. Attention, le diamant qui est toujours très très compliqué à récupérer, hein, toujours. Surtout qui est très très compliqué à gérer pour Benji parce que, mine de rien, ça fait beaucoup de dégâts cette histoire. On récupère beaucoup de pierres. Beaucoup de pierres, mais là c'est pas ce qu'on veut du côté de Romy, on veut du fer, on veut pouvoir faire des minecarts. Romy qui s'enchaîne avec des petits combos, il revient petit à petit, ça va pas tuer. On va pouvoir avancer, et là il s'agirait de pouvoir tuer. Ok, ça a loupé du côté de Romy, et en plus ça tue. Là pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Ouais. Là pour le coup, je pensais pas que ça tuait. On va pouvoir monter tranquillement sur le champ, évidemment. On a encore le double saut, il y avait évidemment la pioche qui va faire les dégâts, qui va être suffisante peut-être pour tuer. Non, pas du tout. On va pouvoir faire placer des uppers, placer des petits coups. Et le minecart, il va totalement tanker ce charge shot. Et du coup, on est sur cette phase où Benji, du coup, il est encore à récupérer pas mal de dégâts. Il a besoin de mettre les dégâts. Voilà, petit grab. Pour mettre les 33%, mais là maintenant il s'agirait de remonter. Il s'agirait de ne pas faire en sorte que l'adversaire. Quoi? Il a relâché pile au moment où il fallait pas. C'est ça, c'était vraiment la frame. Il a relâché vraiment pile au moment où il fallait pas. Allez, voilà. Encore une fois les backers. Petit coup d'épée, la pioche. Malgré son erreur du début de game, attention le fond. Oh, ok, on a plus de. Oh, mais c'est pas. Ouais, j'allais dire on a plus de pioche, ouais. Mais en vrai, casse la tienne. On en avait encore dans son inventaire. Bonjour Romy qui fait une belle game. Hein. Ouais, qui est bien revenu. Ça passe vraiment très très bien. Je voyais beaucoup une grosse avance hein, du côté de Benji, ouais. Mais finalement, Romy qui a très très bien rattrapé. Ouais. Qui a très très bien rattrapé, ça se passe vraiment très très bien pour lui. Vraiment, le minecart qui est totalement abusé. Hop là, ok. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit mix-up. Petit up B évidemment. Vraiment, c'est très 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 serré au niveau des pourcentages. Attention quand même à ce Char Shot. Est-ce que ça va être sur cette interaction qu'on va pouvoir trouver une phase où on va récupérer l'avantage avec ce. Encore une fois, vraiment chacun de leur côté, ils mettent des dégâts énormes. Forward air. Ça envoie très vite, attention.
s'envoie très très loin. Le ledge ça s'envoie très très loin. Là, on a plus de fer, on a plus de main carte. Ça va être le moment, on a plus de carte, on a plus de main carte, on a plus d'enclume. Donc ça va être le moment où il faut être le plus intimidant possible. Il faut faire peur, il faut tuer l'adversaire, il faut le tuer maintenant. Parce que là ça va si loin, ça va être compliqué. Ne serait-ce que sur un grab avec un Xtro, ça peut totalement les récupérer cette game. Attention quand même, monsieur. Main carte. Non. Et... il peut encore tech. C'est bon, c'est pas terminé parce qu'il était pas en dessous du stage. C'est pas encore terminé, mes amis, messieurs. 147%. Il va falloir que Benji récupère un grab, un petit Upstro. Ça peut totalement tuer. Surtout que PS2, c'est pas un jeu qui a un plafond ultra bas en haut. Et ça va être la mort pour Romy. 2-0, 2-1, 2-1, pardon, pour Benji. J'ai ressenti le stress dans cette game. J'étais vraiment à fond. Faut que j'arrête de crier. Ce genre, je vous casse la voix. 2-1 pour Benji. C'est vraiment des games très serrées, un peu plus longues. Très 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 serrées pour le coup. Holo Bastion. Holo Bastion, mesdames et messieurs. Hop. Allez. On va partir sur... Directement. Ah ouais, genre dis... Ça va pas le temps ici. Frame 1, 33% avec un TNT. Oh, musique très douce. Hein. Oh bah j'adore moi. Très très douce, comparé au... aux dégâts que mes Juste T-bug. T-bug, ça laisse miner. Ça T-bug. Il attend... Ah oui, il attendait juste la TNT en fait. Okay. Il s'est dit vas-y, on va pas prendre de risque, on va juste attendre, ça vous coûte rien. Où il espère trouver un des maths. Vraiment. Allez paf, petit charshot encore une fois. Vraiment il fait. Il... Ça se bourre au charshot et au minecart quoi. C'est les armes de chacun. En fait ce qui est terrible c'est que vraiment même Benji il doit faire attention aux matériaux que possède Steve. Parce qu'en fait s'il voit qu'il y a du fer, bah en fait ça va être minecart automatique. Minecart en sûr. Ouais. Et tandis que tiens, même minecart enclume. Après l'enclume ça utilise beaucoup de ressources hein, pour le coup. Ça utilise beaucoup de. Oh il a fait ça. Oh ça tue pas, mais par contre il l'a fait. Il a utilisé les blocs de Steve à son propre jeu. C'est très bien adapté. Attention, là, ça va. Oh, ça l'a tué je pense. Allez, on y retourne. Hop là. C'est pas une fois, ce sera deuxième fois. Allez, encore une fois les minecarts. Qui embête vraiment notre cher ami Benji, hein, qui je pense s'en passerait bien de se prendre des voitures et des locomotives toutes les 30 secondes. C'est les bouchons du matin, il y en a partout. Ah, je te jure, il y a des voitures partout. Je sais pas si on appellerait ça une voiture ou un train. Moi j'appellerais ça un train. Ah, vu que... C'est plutôt un train. Ouais. Vu qu'il y a des rails. Proche d'un train, je pense. Oui, c'est ça, c'est un petit train. Petite locomotive. C'est la SNCF. Un petit wagon, ouais, c'est ça. Oh! C'est Steph qui est parti. C'est bon, on s'est pris le wagon, mais en vrai, c'est pas très très grave. Backer, ouais, il recherche le backer là. Allez, tac. Allez, oh, juste il a cancel le. Il s'est pas pris, il a clank le. Ouais, évidemment. Ouais, bah ça, évidemment, ça c'était sûr. En fait, c'est quoi? Soit quand tu te prends le. Quand tu te prends le wagon, c'est soit tu vas te prendre un up smash parce que t'as mâché comme un taré. Soit si tu mâches pas assez, bah ça va être le. Ça va être le. Ça va être le. Ça va être le la pioche et le forwarder. Merci, j'y ai arrivé. 53%. Tac, tac. Oh, bien sûr, il continue de mettre les dégâts. Plus la dash attack, malheureusement, qui va pas pouvoir connecter, c'est pas très grave. Il y aura tout de même. Ok, bien vu. Petit up B. Le petit AB à chaque fois il y a des très très bonnes punitions hein, qui sont faites quand ils arrivent, quand le AB il est mis sur le stage. Ça, pour le coup Belgique il est très très aware, hop là. Par contre cette dash attack qui va pas tuer. Mais par contre ce charshot tout simplement qui va très très bien viser un Steve qui essaye de remonter sur le champ de bataille. Dernier stock déjà pour Romy. Ouais, c'est à 3 minutes de jeu. Bientôt 3 minutes. Et par contre 3 minutes de jeu on a hop là 3 minutes de jeu et on a récupéré du diamant. Et on a construit le diamant surtout. Les outils en diamant. Ça va être B, attention. Ouais, ah bah ouais. Ah, c'est compliqué là. Très très compliqué. Après il y a toujours 0% hein, sur Benji. Ouais. Il peut encore le faire. Petite avance encore. Et par contre vraiment Romy lui par contre qui n'en démord pas. Qui veut absolument aller récupérer cette victoire. Ouais. J'ai pas le head to head, faudrait que je regarde après mais le head to head entre ces deux joueurs. Oh par contre vraiment Benji. Oh là 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 là, il me laisse même pas le temps de réfléchir, qui du coup il clôt la game, il clôt le set. 3-1 pour le joueur de Samus, 3-1 pour le joueur de la Douille Corp.